Range up. Bon, vas-y, on va partir avec ça. On va partir avec ça. On va essayer avec Lazarus. Tears light enemies on fire. Chance to tears explode the enemy impact. 5% de chance to explode at 13 logs. The explosion can hurt you. Oh putain. Ok. Ça lance des larmes enflammées. Le problème, c'est que si ça explose, ça peut nous blesser. Donc, on va essayer de ne pas rire. Et essayer de ne pas le faire au corps à corps, surtout. On a un magasin, bien sûr. On éteint les flammes avec des flammes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je chope plus de clés. Mais de toute façon, là, on n'a pas de thunes. Mais ça m'intéressait de voir un petit peu ce qu'il y avait dans le magasin pour l'instant. Ok, à l'attaque, nouvelle run, c'est la fête. Brûlons les merdes. Hop. Oh, des araignées de merde. Toujours rester en mouvement parce que c'est des merdes. Ok, hop, on a une petite pièce, c'est coulant. Ah, dadou, daddy, ça va être la merde, encore une fois. Beaucoup de merde actuellement. Bien sûr, Nalf. Tue au corps à corps. Ah. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est quand t'as un item activable, ça te l'active deux fois, je crois, un truc du genre. Ah, c'est cool par exemple avec l'item que j'avais tout à l'heure. Okay. Ouais, il fallait que j'essaye pour le savoir. Hein. C'est comme ça que tu apprends le jeu. Hein. Ah, dadou! Ah, c'est bien les trucs qui brûlent par contre. Les trucs qui brûlent, c'est cool. On est toujours à 3,50 de. Ah, bah vous voyez? 3,50 de dégâts. Donc tout à l'heure, je suis arrivé jusqu'à l'utérus. Sans avoir eu un seul. Ah, vu. Vu, petit rocher marqué. Je suis arrivé jusqu'à l'utérus sans avoir eu un seul boost de dégâts, quoi. What a life, bro. Bro. Je peux pas avoir une bombe dans le caca, genre, non? Oh, j'ai pas de bombe au premier étage, vraiment, c'est trop triste, quoi. C'était pas un premier étage de fou furieux. On va aller sur le boss et puis on verra bien. Ah, et apparemment, Lazarus, il revit si jamais il meurt. Bon, il revit une fois, d'après ce que je vois. Donc, let's gong. Oh, baby plume! Bon, normalement, on peut ne pas la tuer. On peut ne pas la tuer, mais là, je la tue. Là, je la tue parce que je sais l'item que ça donne quand tu la tues pas. Et j'ai pas envie de jouer avec ça, pour l'instant. Je déteste cette phase. Pas du tout cette phase. Ok. Faut que je m'éloigne si jamais ça explose. Ah, elle aime bien cette phase par contre là. C'est chiant. Putain, c'est trop chiant à esquiver ça. Ah, dadou, dodo, meurs s'il te plaît. Allez hop, ça suffit. Et là, mais putain, je me prends le truc. Oh, un œil. Oh, des dégâts. Oh, des dégâts. Oh, des dégâts. Oh, doudadi, des dégâts. Ok, impeccable. Ça, c'est bien, ça. Et puis la suite, hein, du coup. Mon Isaac est moche, comme d'habitude. Un bon premier étage. Ouais, bof. J'ai pas eu une seule bombe, en fait. Du coup, j'ai pas pu trouver les secret rooms. Oh, mon Isaac est... Mon Isaac a une certaine gueule. Des proutes qui puent. Oh, ça fait du bien d'avoir des dégâts. Putain, pas besoin de tirer 15 fois dans quelqu'un pour qu'il meure, quoi. Oh là là, oui. Oh, des dégâts. Oh, des dégâts. Oh, en plus, il brûle, du coup. Même si je les rate, ils finissent par mourir. Oh. 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 Il reste quelqu'un, là? Oh! Oups. Ça c'est bien. Concrètement, je one shot en quelque sorte pour l'instant. Ah oui, putain, ça fait du bien. Ah, je vous jure, après une run entière sans avoir de dégâts, là c'est. Je revis, en fait. Ça c'est la loi d'Isaac. Hein. Bon, peut-être pas tout de suite. Faudra que j'aille voir tout à l'heure si j'ai au moins 5 pièces. Aller voir au magasin s'il n'y a pas des bombes. Des bombas. Ça par contre ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ça? Laisse une trace de creep.
Toujours ? C'est incroyable. Ah ouais, toujours. Ah, ça c'est cool. Ok, ça c'est bien. On laisse une trace de merde derrière nous. Et je pense que c'est plutôt pratique pour les ennemis qui nous suivent. Il y en a pas mal des ennemis qui nous suivent. Ah ça, j'aime bien ça. Il est beau, il est verron. Ah ouais, il a les yeux verrons, j'avoue. Mais ça fait peur quand même. Visuellement. Enfin, je veux dire, c'est pas les yeux verrons de Marcus. Igagogo. Ok, je vais pas prendre le cœur plein tout de suite. Y a pas un rocher marqué qui se balade là? Parce qu'il y en avait un au premier étage, mais malheureusement, on n'avait pas de bombe. Pas de rocher marqué. Aucun rocher marqué à l'horizon. Ces saloperies là. Ça touche pas là? Oh, je one shot. Oh, ça fait du bien. Oh oui, oui, oui. Je dis oui. Hop. Je dis... Oh oui, je redis oui là. Ok. Bon, cette run déjà se passe mieux que celle d'avant. J'aimerais bien finir une run avec Lazarus, ça me ferait plaisir. Et aussi parce que j'ai envie de découvrir les nouveaux trucs que je vais débloquer. Qui est... Qui est... Ah oui, eux, faut rester dans la diagonale. Tant que tu restes dans leur diagonale, tout va bien. Ils ne tirent que en... Ils ne tirent que en croix. Tant que t'es là, tout se passe bien. C'est la safe zone, en quelque sorte, on va dire. Ça, je l'ai appris à mes dépens. À mes dépens. Des petits caca. Les petits caca, ça va. Les petits caca, ça passe. C'est pas les pires sur lesquels je pouvais tomber. C'est pas non plus les petites araignées de merde. C'est quoi, ça? Fait apparaître 3 cartes random. Fait apparaître 3 cartes random. Bah, écoutez. Oh! 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 Je les utilise, hein. Je les utilise direct. Si je peux avoir une chance... Que dis-je? Une extrême chance de faire apparaître ma Devil Deal. D'ailleurs, je pense que je vais aller sur le boss tout de suite. Et la Devil Deal devrait apparaître. Si tout se passe bien. Je vais prendre ça. Je pense que je vais faire le boss tout de suite. Et je reviendrai parce que j'ai pas fini l'étage. En plus, c'est un monstre. Alors, eh, si j'arrive pas à... Eh, si je perds tous mes cœurs bleus sur Monstro, plus jamais je joue au jeu. Plus jamais, j'ai dit. Ah, est-ce que c'est un no-hit? Ah ouais, c'était un no-hit. Ok, on a une Devil Guild normalement. Yes, let's go. Ok, on a la salle du démon. Je me prends ça. Il est très très beau, Isaac, comme ça. Dommage que ce soit pas tout le temps. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a ça qui te permet d'utiliser un laser quand tu l'utilises dans la salle. Ça fait peur à tous les ennemis autour de toi. Ça veut dire que plus aucun ennemi ne va te foncer dessus, en quelque sorte. Salut, c'est quoi le but du jeu? En gros, c'est un roguelike. À chaque run, c'est différent. Il faut que tu ailles d'étage en étage avec des items que tu lootes. Des items aléatoires à chaque fois qui te donnent différentes attaques, différents trucs, différentes stats. Et il faut que tu ailles jusqu'au boss final. En gros, c'est ça. Et chaque fois que tu fais une run, c'est différent. Tu ne tombes jamais sur les mêmes salles, les mêmes ennemis, les mêmes items. Et c'est bien. C'est un excellent jeu. Bonsoir à toi, bienvenue. Je prendrais bien ça, moi. J'aime bien faire peur aux gens autour et ça éviterait à certains de venir se coller à moi et me péter les couilles. Après, ça, c'est très très fort aussi. C'est très 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 fort aussi. En vrai, à ma place, vous prendriez quoi? Backseat autorisé seulement pour les objets. Pour me dire, ah, cet objet, il est cool. Moi, j'aurais pris celui-là. J'aime bien cet objet, machin. Parce que ça, c'est juste du partage, tu vois. C'est plus du partage en mode, ah, cet objet, il est bien. Voilà, etc. Par contre, le backseat en mode ouais, fais ça, utilise ta carte, va là-bas, machin, ça c'est chiant. Spooky? Spooky plutôt? Parce que t'as Explosivo? Ah! Ok, d'accord, je vois. Ouais, j'aurais pris le spooky aussi. Ah ouais, ok. Spooky, j'aurais pris le spooky aussi, ouais. Oh! Oh la gueule! Ok. Oh la gueule de mon Isaac. Putain, ok. J'avais pas fini l'étage. Je pense que j'ai vraiment fait un bon move
en allant directement dans la salle du boss pour être sûr d'avoir le Devil Deal en vrai. C'est bien, j'ai bon réflexe, t'es bien renseigné toi. On va finir l'étage, hein, tant qu'on y est. Et puis, par contre, j'ai vraiment un des Isaac les plus laids que j'ai jamais eu. Pour le coup, ah, cette fistule anale sur patte, clairement. C'est qui lui ? J'ai pas vu. Merde. Ah, ok, ok. Oh, ça fait du bien d'avoir des dégâts, mais what the fuck ? Je suis à 6.16 de dégâts, mon gars. Ça fait apparaître Citrol Bomb au milieu de la room. Je vais le prendre parce que j'ai pas d'activable de toute façon. C'est bien pour les boss aussi, mais si t'es dans une très grande salle, c'est cool aussi. En revanche, si t'es dans une toute petite salle comme moi tout à l'heure, faut pas l'utiliser. Faut pas l'utiliser, t'es con. J'ai pas de bombe. Par contre, je vois une image de bombe, là. Ah ouais, putain, chier. Y a pas une bombe au magasin, parce que... S'il y a une bombe... La Bible ! Oh non... Non, il me faut... Non... Oh non... C'est mal ce que je vais faire, je crois. C'est peut-être con ce que je vais faire. Quoi ? Je peux pas acheter la... Je veux la Bible, je suis désolé, il me fallait la Bible, j'ai explosé. Oh le con ! Le feu ça brûle hein, Alf. la Bible, je voulais la Bible. La Bible, la Bible, la Bible. La Bible. Tant pis, j'explose. Il est très chum, il est très très, très chum. Emmener le corps avec moi. Bon, j'ai pas de bombe. Tant pis. On se casse. J'aurais pu taper dans les feux d'abord pour voir si j'avais pas une... Pour voir si j'avais pas des pièces, vous avez raison. J'ai réagi à chaud. J'aurais pas dû réagir à chaud. Ah. Ah putain. Oh, c'est trop bien de leur faire peur. Oh! Oh! Oh, excellent! Excellent! Ah oui, ces salopes qui viendront plus jamais sur moi. Oh, le plaisir! Oh, ma zette! Attends, mais c'est trop bien cet item là. Lui par exemple. Oh, il viendra pas vers moi. Wow! Oh, j'adore! Oh, j'adore! Ah, elle recule instant. Ah, ouais, mais c'est trop bien. C'est très bien. C'est un très bon item. Ah, très content. Très très bon item. Par contre, pour deux cœurs, sous ma gueule. Sous ma gueule un peu. Oh, ça par contre, elles ont pas peur de moi, elles. Une pièce, d'accord. Est-ce que eux ils ont peur? Ou c'est des trucs aléatoires? Ah non, ils ont peur aussi. Hein. Genre, si je fais ça. Ah non, ok. Je fasse attention. Et les araignées? Oh la pute! Elle a pas pu arrêter son élan. Bon, il faut bien que je teste hein, pour savoir. Hein. Mais bon, la pute quand même, quoi. Les caca, les caca! En fait, ceux qui prennent de l'élan, ils s'arrêtent pas. Qu'ils aient peur ou pas, apparemment. Donc, comme ça, au moins, je le sais. C'est noté dans ma petite tête. C'est vraiment un Isaac dégueulasse. C'est un Isaac... Isaac... On dirait... une descente d'organes, un peu, mon Isaac. Ok... Elles ont fait prout. Elles font prout. Ça fait prout. Une petite bomba. T'as déjà fait des games avec des bulles cassées? Non, non, non. Moi, je débute un petit peu le jeu en vrai. Hein. J'ai explosé une boîte à dons. Mais exact. Ah non, je débute un petit peu. J'ai quelques bases. Parce que du coup, bah, vu que j'ai déjà joué quelques fois en live, on m'a aidé un petit peu. Mais sinon, et je me suis un peu intéressé à des tutos aussi.
Je suis un petit peu intéressé à des tutos, tout ça, mais sinon, je suis pas un expert du jeu encore. Je sais par exemple que la Super Secret Room pourrait être ici. Ou ici. Mais moi, je partirais plutôt sur ici. Je sais pas. Non? Ou alors, ce serait peut-être ici, alors? Non, même pas. Bah, je suis baisé, du coup, elle est peut-être à l'opposé. Je sais que la Super Secret Room est parfois proche de la salle du boss, qu'elle est reliée à aucune... Oh! 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 Mais c'est que de la range up! Mais... Mais j'ai sucé qui pour avoir ça? Ah ouais, mais c'est bien! Ok. Voilà. Oh. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Pokégo? Non, moi je garde la Bible. Ah mais attendez, mais c'est pas un activable ça. Ah, bon, de toute façon j'ai pas assez de thunes, donc ça sert à rien. Alors, on est où là? On a encore un petit peu à vérifier avant d'attaquer le boss. On a encore un petit peu à voir. Mon Isaac est toujours aussi dégueulasse, ça bouge pas. On a... Ah putain. Je vois ça un peu comme des nids d'araignées dégueulasses. Du coup, il me cringe très fort, ces ennemis. Ok. Hop, une petite pièce, c'est cool. Enfin, une petite pièce, une petite clé. Une salle au trésor, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est? Pardon. Pardon, attendez. Ça me baisse de 80% mes dégâts. Par contre, ça fait beaucoup de pan, apparemment. Je pense que non. Je suis très bien comme ça. En vrai, j'aimerais pas me baiser ma run. Tu deviens un Uzi. Ouais, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Ça te transforme en mitraillette, mais ça te fait 80% de dégâts en moins. Ah, avec Firemind, c'est pas mal. Ouais, mais non. En fait, je suis très à l'aise comme ça, en fait, actuellement. Et ça me fait trop du bien d'avoir des dégâts. Et je vous avoue que j'ai passé toute la dernière run jusqu'à l'utérus de la mer avec les mêmes dégâts qu'au début. Non, c'est bon. Laissez-moi mes dégâts, j'en peux plus. Faire des runs sans dégâts, ça me fait pas du bien. Bon. On va voir qui c'est. Ah, Dark One. Waouh. Ah, il fait ça lui. Oh, hey, Nalf, t'es con ou quoi? Ok, il est rapide, hein. Oh, putain, je suis trop con. Oh, mais je suis doublement con. Mais quel imbécile, je me fais taper dans les cœurs rouges, en plus. Comment je fais pour être nul comme ça? D'habitude, lui, je le gère. Ah, c'est juste que je suis pas concentré, en fait, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon, c'est revenu, normalement. Ah, ouais. C'était juste le temps que... Juste le temps que je me remette un petit peu dans le truc. Ah, c'était juste le temps que je me remette dans le bain. Parce que je me souvenais pas de ce qu'il faisait. Là maintenant je sais, bah je me prends quand même des coups parce que c'est... Sinon c'est pas drôle. Je vais prendre un cœur au cas où. Parce que... Un accident est vite arrivé. Bon, malheureusement pas de Devil Deal pour moi parce que je me suis fait toucher comme un con. Speed up. Ah! Oh, à chaque fois que je me dis qu'il peut pas être plus moche, il le devient en fait. C'est quand même fou. Hein. J'ai que deux cœurs. Oh. J'ai que deux cœurs, c'est terrible. Bon. Oh, c'est bien. Bon, on y va. Hein. Ça va être compliqué. En vrai, ce serait intéressant que je chope un truc pour aller directement au. Ah ouais, non, c'est con. Non, c'est con ce que j'allais dire. Je crois qu'après le au pied de maman, en fait, tu peux pas... au mom's foot, tu peux pas revenir après à l'étage, il me semble. Il me semble que c'est fermé. Waouh, là, il y a eu trop de trucs à l'écran, j'ai pas pu. Je me suis fait toucher encore. Ça va mal se passer. Je crois qu'en fait, j'ai beau avoir tous les bonus que je veux. Mon pire ennemi, ça reste moi, quoi, parce que j'esquive trop mal. Bon, c'est tir, c'est bien ça.
J'esquive trop mal. Oh putain. Je vais me faire baiser. Je vais me faire baiser, je le sais, je le sens. Ouais, c'était sûr. Je l'avais dit. Heureusement que je revis, hein. Heureusement que je revis. Par contre, j'ai plus qu'un cœur. Donc là, c'est le bonus du chat, mais sans avoir le chat, en fait. Ah, super. Oh, la belle vie. Sans amour, sans souci, sans problème. Ok, hop. Ah là là, je suis dans une merde. Je suis dans une merde. Jamais de la vie, je fais le lait. Jamais. Jamais. Jamais, j'ai dit. C'est une jarre de crème. Exactement. Pourquoi quelqu'un a demandé ? La jarre de crème. Ok, hop. Oh, j'ai mini. Ah, vas-y, hein. On a un ami avec nous. Un ami avec nous qui va peut-être pas rester avec nous longtemps, sachant qu'on va se faire péter très très vite, mais... Oh, Dadoudi. Ok, c'est bon, c'est allé vite. J'ai peur. J'ai peur, j'ai qu'un que... Oh, des chauves-souris. Putain, le pire ennemi du jeu. Le pire ennemi du jeu, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, c'est moi et ma chance. Oh, c'est bon. Oh, dites-moi qu'il y a des cœurs. Mais il est horrible. De profil, mon Isaac est immonde. Bah, même de face, en fait. Ça. Instantanément, bien sûr. Tout pour essayer de survivre. Il y a des cœurs là-dedans. Sale chien de... Chien de cul de... De cul de chien. C'était tellement pas le moment d'avoir une troll bombe. La troll... Qu'est-ce qu'elle fait, la Bible ? Merde. La Bible, elle one-shot maman, mais... Quand tu l'utilises... Quand tu l'utilises... Il se passe quoi quand on utilise la Bible sans être dans la... Dans le... Vol ? Ah, juste du... Ça vole juste ? Ok. Ok, merci. Ah ouais, bah non, alors... Bah non, alors... Ah putain, la troll bombe qui tombe au pire moment, quoi. Mais quelle vie... Y'a pas... Dites-moi au moins qu'il y a la super secret... Très haut. Oh putain. Ah, mais pourquoi faire? J'ai plus... Cœur. Ah mais non, mais non, mais non, en fait. Oh, oh. Cœur, cœur. Bon, la super secret room, elle était pas super cool. Super, 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 super cool. Ok, on a ça, on a ça. Au moins, on a trouvé la super secret, ça, c'est cool. J'ai presque envie d'y aller, hein. J'en ai marre, hein, de cet étage. Je vais y aller, je crois, hein. Je vais y aller, hein. J'y vais, hein. Nique sa race. C'est pas maman. C'est pas maman, ça, je reconnais. Je croyais qu'on était à maman. Pourquoi on n'est pas maman, là? Ah, dodododi, je croyais qu'on était à maman. C'est pas ma mère, ça, je reconnais, hein. Oh là là. Oh, oui, merci. Ok, hop, c'est bon. Ok. Oh, j'en ai marre. Oh, merci beaucoup. Ça a l'air bon, ça. C'est bien, j'en ai besoin. Merci beaucoup. La putain de Sarah, c'est trop bon, ce truc. Ok. Excusez-moi, je découvre le sirop à la grenadine. Dinguerie, banger. Banger, j'ai envie de dire. Je vais encore finir la soirée avec les cheveux n'importe comment, là. Déjà qu'à la base, ils sont un peu n'importe comment. Alors, voyons voir. Voyons voir si je peux trouver une petite secret room. Là, non. Là, c'est mort. Là, c'est possible. Là, c'est possible, mais c'est pas possible parce qu'elle est collée, elle serait collée à la boss room. Il y a aucune secret room collée à la boss room. Si j'ai bien retenu mes leçons. Là, c'est possible. Là, c'est possible aussi. Et du coup, si je vais là-bas, on voit que le mur est obstrué, donc ce n'est pas possible qu'il y ait une secret room ici. Je vais aller à la salle où j'ai pas encore été. Ah, des mouches, mais bon, c'est bon. On a le truc qui fait peur. Du coup, ça va. Une bombe, c'est cool. Est-ce qu'il pourrait y avoir une secret room ici? Collée entre... Ah, ici, ce serait possible aussi.
Ayez peur de moi, les mouches. Quoi? J'en ai marre. Ah bah oui, on avait une ici, voilà. Merci. C'est les mouches qui me l'ont montré, du coup. Oh, un champignon. Je perds seulement deux... Oh. Oh, mais il me le faut, ce truc. Ah, il me le faut. Ok, je le prends. Let's go, on est un champignon. Ok, bah très bien, je suis content. Là, on a des dégâts. On a de la range et on a de la vie. Vive l'amour, hein, apparemment. Ok, c'est bon, je l'ai eu. J'étais en train de me dire, putain, ma chance légendaire encore une fois. Ok, on descend, on n'a pas encore été ici, saloperie. Adadou! Oh putain, je marche dans les pics. Oh, il va être chiant, lui. Ah, il va être chiant. Ah, ça va être chiant, ok. Faut que mon familier le bute, en fait. Voilà. Lui, là-bas, il va être chiant aussi. J'ai marché dans les pics. Ah, les pics, c'est quelque chose, hein. Tac, tac. Oh, j'aurais bien aimé loot les chaussettes qui te font ne pas prendre de dégâts des pics. Parce que là, du coup, j'ai 3 cœurs. Mais bon, j'ai fini le boss, c'est déjà ça. Déjà ça. J'avais pas un petit magasin? Oui, j'avais un petit magasin. Je pense que je vais aller investir un petit peu. Parce que j'ai pas trop confiance. Et quand j'ai pas trop confiance, je mets ma thune dans le magasin. Oh, mais je peux pas, en fait. D'accord. Eh ben, on se casse, alors. Je joue manette. J'ai pris l'habitude de jouer manette. Jamais essayé clavier. De plus en plus moche, ouais, de fou. J'avoue, Octavien. J'avoue. Salut, Rain. Ça va très bien, merci. Exploser la boîte pour la Bible. Ah, et après, je l'ai plus du tout, la boîte. Oh, putain. C'est vraiment pas cool, hein. Oh, saloperie. Oh, les effets sonores de ce... Alors ça, faut qu'on m'explique. Ça, pour le coup, vous pouvez m'expliquer. Quand j'active ce truc, je ne comprends jamais ce que ça fait. Ça a fait un activable aléatoire, en fait, c'est ça? Je vais le faire. Genre là, ça m'a filé un demi-cœur bleu, c'est ça? Ça m'a redonné une vie, là! What the fuck? Ça m'a redonné une vie, là? Ça m'a donné le droit de remourir, en fait. Complètement. D'accord. Donc, en fait, ça active un truc aléatoire. Ouais, ça active un... Ça fait l'effet d'un activable, mais un activable aléatoire, en fait, apparemment. Si j'ai bien compris. Wouah, salope! Pardon. Vous savez, ces espèces de vers de merde, là, qui sortent de terre. Ils sortent de terre qu'après un certain moment que t'es dans la pièce. Ça veut dire que tu fais ta petite vie dans ta pièce et d'un coup, t'as saloperie qui débarque, en fait. C'est vraiment fait pour te surprendre, en fait. Quelle saleté de bête de merde. Une salle de défi. Est-ce que j'ai envie de faire une salle de défi? Oh. Je crois que mon pire ennemi, dans ce jeu, c'est la surprise, en fait. C'est vraiment ma némésis ultime, quoi. Dès que je suis surpris par un truc, ça me décontenance trop. J'ai presque envie de poser une bombe ici, pour voir s'il n'y a pas des trucs. Ah bah, à part des ennemis, non. Il y a un petit magasin. Ah, super. Ah, mais... Ah, super. Il faut qu'il meure. Yeah. Je me fais toucher à haut. J'en ai marre de me faire toucher à haut. J'ai eu que des pièces. Que des pièces, ce qui est très utile, sachant qu'à partir de l'utérus de maman, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de salles au trésor, tout ça. C'est chiant. C'est chiant, mais c'est la vie, frérot. Les petits cons, encore des petits cons. Ok, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Augmente le repoussement. Ça veut dire que quand je tire... Je repousse plus loin les ennemis encore. Tentons.
Oh non, je les déteste. C'est pas non plus la foire à la saucisse. Hein, cette expression n'avait aucun sens. Pourquoi je tombe que sur des ennemis que j'aime pas? Heureusement que je leur fais peur. Hein. Je peux pas tomber sur un petit truc tranquille là. Ça va, c'est tranquille ça. Hein. Ok, c'est bon. Alors, on a une pilule non identifiée ici. On va croiser les doigts. Speed up. Youpi. On va aller un poil plus vite. 0,15, ça va. Ça va. On avait quoi? On avait le magasin là-haut. On n'a pas été tout à droite pour voir. Un effet de rune aléatoire. Mais la rune... en fait, j'arrive pas à visualiser ce que c'est une rune dans le jeu. Quand tu meurs, tu gagnes des dégâts supplémentaires pour le prix d'un réceptacle de corps en moins. D'accord. Ah oui, avec Lazarus, c'est ça, ouais. Ah, c'est tout le temps comme ça? C'est stylé. Ok. Là, par exemple, vous voyez, je suis même pas à l'utérus. Et j'ai 7,75 de dégâts. Tout à l'heure, je survivais avec 3,50 de dégâts. J'en pouvais plus. Mais vraiment, 6 ans et demi pour tuer un mob, horrible. On va détruire les feux. Bon, on va aller dans une petite salle. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oh putain, il y a encore ces chiens. Il y a encore ces chiens. Ok. Mais c'est pas des chiens, c'est des vers. Heureusement que je leur fais peur, ils me courent pas dessus comme ça. Ça, franchement, c'est un glitch, hein, c'est abusé. Hein. Si jamais vous tombez sur l'item la tête rouge là, qui effraie les ennemis autour de vous, c'est beaucoup trop fort en fait. J'aime beaucoup. Ça me plaît énormément. Il tire dans tous les sens lui, hein. Un peu chiant le garçon. Ok. Lui, c'est pas un élite, donc il tire pas dans tous les sens. Mais il tire quand même beaucoup, je trouve. J'ai presque envie de tout péter, là. Hein. Oh là là, j'ai tellement envie de tout péter. Après, là, il y a deux crânes. Les crânes, parfois, ça peut donner des cœurs. Ça peut donner des cœurs noirs. Noir. On verra. Ah, malheureusement, pas de cœur noir pour moi. Pas de cœur noir pour moi, malheureusement. Là, on a ça. Heureusement, c'est des créatures que j'effraie. Et qui du coup ne viendront pas à mon cac. C'est cool. Ah, franchement, la run est pas spécialement dégueu. Sachant que je repousse tous les trucs qui veulent me toucher. Ça m'aide énormément. Bon, on va pas se mentir. Hein. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis où là? Je suis à Depths 1. Depths 1. C'est après Depths 2, maman, je crois. Hein, si je dis pas de conneries. Oh, je sais plus. Je sais. Oh, caca. Caca avec un cœur. Bon, je le prends. Je le prends. Il me reste une pièce là en bas à vérifier. Mm-hmm. Ça c'est, il me semble que c'est les connards qui c'est ceux qui projettent leurs coups en fait. C'est très très chiant ces bestioles là. Et j'ai bien fait de garder mes distances face à ces trucs là. Ok, on a une petite salle au trésor ici avec un fruitcake. Un effet différent à chaque larme que je tire. Ah. Ok. Ah ouais, ok. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. À chaque fois que je tire, j'ai un effet différent sur mes larmes en fait. Oh putain. Ce qui peut être soit très fort, soit complètement incompréhensible. Ok. J'ai pas eu de chance au niveau des boutons, ça n'a apporté que des ennemis. Ça n'a apporté que des ennemis dans ma tronche. Est-ce que je m'amuse à chercher les secret rooms? Moi, ouais, je pourrais m'amuser à chercher les secret rooms. Notamment ici, ce n'est pas possible. Celle-là. Ah, je pourrais trouver une secret room ici. Dans l'idéal, elle pourrait être... Là. Et elle pourrait être là aussi. Du coup, on va tester. Si elle est pas là, franchement... Elle était là. Elle était là, mon gars! Ok. Oh, pff, mes larmes, elles partent dans tous les sens. C'est
C'est l'anarchie. J'ai presque envie de péter ça pour augmenter mes chances de... Ça augmente mes chances ou pas? Ah oui, ça augmente mes chances de Devil Deal. Ok, let's go. Je commence un petit peu à comprendre certains trucs du jeu. Et ça me fait très plaisir de commencer à comprendre ça. Donc là, j'ai 46% de chances de Devil Deal. C'est pas non plus la folie. Je peux essayer de trouver la Super Secret Room. La Super Secret Room qui, en général, est à côté de la salle du boss. Je vais essayer de chercher à côté de la salle du boss. Oh, bon. À la fin de Depth 2. Ah, ok. Depth 2. Ok, donc là on est à Depth 1. Ça veut dire que le prochain boss, ce n'est pas maman. Ce n'est pas maman encore. On n'est pas encore dans le cul de ma mère là. Hein. Il faut attendre encore un peu. Ok, donc ici il y a 0 Super Secret Room. Ça c'est sûr. Ça ne peut pas être là parce que ça veut dire que ce serait relié à une autre salle. Ce qui n'est absolument pas possible. Elle pourrait être là. Elle pourrait normalement être là, la Super Secret. Je vais tester, hein, de toute façon. Elle était là. Elle était là, je suis content. Ah, mais c'est super utile, ça. C'est une clé qui permet de d'ouvrir toutes les portes de l'étage sans avoir besoin de clé. Ce qui est totalement inutile, sachant que j'ai fini l'étage. Je vais essayer de gratter un cœur noir, si possible. J'ai rien gratté à part des ennemis. Je me casse. Un pur plaisir. Je vais sur le boss, hein. Je pense que je peux aller sur le boss maintenant. Et j'ai la carte qui me booste mes dégâts et tout ça. The Fallen. Alors ça, c'est très chiant. Le perso se sépare en deux au bout d'un moment. Donc ça veut dire que... Oh putain, j'avais oublié ça. Ça veut dire que tu ne combats plus un seul ennemi, mais deux. Et c'est un plaisir de chaque instant. J'ai gagné. Ah bon? Oh, j'ai une Devil Deal. Incroyable. Oh, la chance. Ok. 33% de chance pour que mes shoots fassent peur. Ok, 33% de chance de lancer des larmes qui font peur aux gens. Mon Isaac n'a plus aucune âme en fait. Enfin, qu'est-ce que tu me proposes, frérot? Ah, oh, ok, d'accord. Ok, d'accord. Pour un Devil Deal, j'ai vraiment pas beaucoup de chance. Oh putain, c'est quoi ça? Oh! Oh! Ah non, c'est de la merde ça. Ça, je veux pas le prendre ça. J'ai pas envie de le prendre ça. Je suis zéro à l'aise avec le chat. Oh! Ça, par contre, je prends tous les jours. En vrai, Goopy. Le chat mort. Ça va me permettre de revivre 9 fois, mais ça va me cantonner à un seul cœur pour le reste de la run. Et je n'ai absolument pas envie de ça. Pour le coup... Le Isaac est immonde. Ouais, d'accord. Regardez les tutos de Chicheyu. Ouais, je me suis un petit peu renseigné. Et ça m'a bien aidé. On est content. Ah, on a trouvé Goupil, le chat mort. On est content. Mais du coup, non, on n'est pas content là, j'ai pas envie. On est team chien ici, ouais bah oui. Bon, moi je suis team les deux, moi j'aime bien les deux. Mon Isaac est immonde, 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 immonde mon gars. Je me passerai de ton chat mort, Satan. Mais on reste frérot, hein, t'inquiète. Ok. Donc prochain boss maman, que normalement je vais one shot. Quoique. Ah non, non, pas prochain. Non, non, pas prochain boss. Si? Non? Ah, je sais plus. Je sais plus. Non, je sais, c'est encore plus tard. Oh, les Gurglings. Les Gurglings sont des petites saloperies qui vous courent dessus. Que j'ai défoncé, d'ailleurs. Cette run est bien. Cette run est très bien. J'ai vraiment des items qui me plaisent pour le coup. Je suis content, gars. Content, gars. Bon, là, on a une petite salle de sacrifice. Voilà. Pas envie. J'aime pas trop ce genre de truc, moi. Ça me stresse. Oh là là. C'est passé. On est content. Oh, putain de merde de ta race. Pardon, excusez-moi. Je voulais pas être vulgaire, ta grand-mère. Mais putain, c'est vraiment les pires ennemis. Je déteste ces trucs. Ça va trop vite. D'accord, ok. Je vois ce que nous propose le magasin.
Alors ça, c'est un truc qui me permet de faire exploser la bombe au moment où je veux, en appuyant sur le bouton. Le problème, c'est que j'ai la Bible et je ne veux pas me séparer de la Bible. Il y a un cœur rouge, Yoso. Je vais prendre ça. Super. Moi, j'ai rarement été aussi content, en tout cas. Hop. Clé. J'ai presque envie d'exploser le storekeeper, mais bon, tant pis. Non, je vais garder au cas où je trouve une secret room. Après, faut voir, hein, parce que je les trouve pas à tous les coups, les secret rooms. Je les trouve mieux qu'avant, parce qu'avant, je me rends compte qu'en fait... En fait, pour faire le con avant, je mettais une bombe à un endroit et je disais, il y a une salle secrète, là. Et je faisais pas du tout attention à si c'était relié à d'autres salles ou quoi. J'avais juste envie de poser ma bombe et espérer que je tombe juste. Ça marche pas comme ça, en fait. Waouh. Ça marche pas comme ça. J'adore tomber sur des boss. Il a pas peur de moi? Il a pas peur de moi? Censé avoir... Oh, deux cœurs noirs. Mais c'est incroyable. Mais c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Oh! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je le connais pas. Oh, ça lui a explosé à la gueule, Mazette, le pauvre. Qu'est-ce qu'il fait, lui? En plus, toutes mes larmes ont un effet différent, du coup, je comprends rien. Super. Ça, je connais ça. Ah, c'est des poisons bombes que tu peux lancer. Le problème, c'est que bah, j'ai la Bible. Je veux pas me séparer de la Bible pour l'instant, en fait. Absolument pas. Je refuse de me séparer de la Bible pour l'instant. J'ai du mal à suivre le chat ce soir. Pourtant, ça parle pas de fou, hein, mais je suis trop concentré. Il fait plus peur que les mobs, tu trouves? Ouais, j'avoue, en vrai. Parlons de petits dragons tout mignons. Salut Quait, salut à tous. Salut à tous ceux qui sont là, même ceux qui sont dans la majorité silencieuse. À chaque fois, je vous dis un petit bonjour. Bonjour à tous. Ah, Doudadi, j'ai trop d'effets sur les larmes, je ne comprends rien. Ah, ce chariot, c'est trop bien, par contre. Ça, j'adore. Ah, putain, mais il y a ça. Je vais l'utiliser pour voir. Je ne comprends pas cet item. On me dit que ça donne ça fait un effet de rune. Mais, ah, je crois que là, ça m'a donné l'effet du... Ça m'a donné l'effet du tu vois tout. Je crois que je vois tout maintenant. Ah. Oh, très bien. Oh là là. Croisons les WAD. Je suis encore plus gros. Putain, c'est trop chiant. Je sais que ça augmente pas ma hitbox, mais j'aime pas avoir un trop gros perso, ça me stresse. J'aime bien quand il est tout petit. Là, on a une salle au trésor. On est content. Oh! Alors là, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, mon gars. Ah oui, c'est mon cœur noir qui a explosé, ok. M'attendez pas à ce que tous les cacas se ruent sur moi comme ça. A chaque fois, je suis surpris au début des... Au début des salles. C'est quoi ça, hein? Ah oui! Ah ça, j'apprécie aussi. D'accord. Donc ça, tous les 13 ennemis que je tue, je suis heal d'un demi-cœur. J'ai vraiment des bons trucs, là, je trouve, à cette run-là. Hein. J'ai vraiment des trucs sympatoches. Des mouches, des cacas... Des trucs, des machins. Super, je me le suis pris. J'étais pourtant sûr de le dodge. Ne jamais être sûr de rien. Je veux pas me faire toucher. Parce que là j'ai un cœur noir, ça me ferait chier de l'utiliser. Bêtement. Ok, c'est bon. J'ai un cœur noir. Un cœur de pierre. C'est quoi? Hop. Non. Là c'est tendu là. Là c'est tendu là. Oh là c'est tendu là. Oh je reconnais hein. Oh là là c'est tendu là. Ah c'est tendu. Non je me suis fait toucher. Putain. Ah mon problème c'est que je panique en fait. Je devrais pas paniquer. Et mon perso est trop gros. C'est ça qui me fait paniquer aussi. Je déteste prendre trop de place. Ça m'empêche de voir. Après c'est... Oh là là, Nalf, qu'est-ce que t'as fait? Ça, par exemple, je comprends pas. Ah oui, d'accord, là, ça m'a rendu invincible. Est-ce que c'est maman? Je me demande si on tombe sur maman. Ah, peut-être pas. Il y a ma super salle secrète là-bas.
La super salle secrète. Quoi? Quoi, c'est ça? Mais non, je comprends rien. Bon, alors là, je comprends pas. Ça me pose une colle. De toute façon, j'ai plus de bombes, donc comme ça, c'est réglé. Je peux aller au boss. J'ai juste envie d'avancer et d'aller au boss là. C'est une Red Room. Ah, t'as pas d'item. Ah, d'accord, merci. Merci, parce que là, je comprenais pas. Ok maman, est-ce que tu connais la Bible? Là, c'est bon, je suis content. HP up en plus. C'était un combat intense et très compliqué. Mais je l'ai passé en no hit en plus, donc je suis plutôt fier. Maintenant, Satan, qu'est-ce que tu me proposes? Ah. Non. Je vais garder la Bible parce que si je peux one-shot le cœur de maman, ça m'arrange. Tout simplement. Je n'ai pas envie de combattre le cœur de maman. C'est un boss qui me stresse parce que je ne connais pas bien les patterns. Vu que je connais pas trop les patterns du cœur de maman, ça m'arrange de la one-shot. Par contre, avant de one-shot le cœur de maman, il faut passer l'utérus. Et pour passer l'utérus... il faut se grouiller, parce que de toute façon, là, il n'y a plus de salle au trésor, il n'y a plus de magasin. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais chercher la salle du boss le plus vite possible, en essayant de ne pas me faire péter par ces trucs. Parce que souvent, c'est dans l'utérus... bien joué, je savais qu'elle était là. Souvent, c'est dans l'utérus que je me fais niquer. Cette phrase hors contexte est encore une fois parfaitement dégueulasse. Et je n'ai pas de bombe. Je n'ai pas de bombe. Par contre, est-ce que le chariot fonctionne? Non, c'est une connerie. Le chariot ne fonctionnerait pas ici, je pense. Bonjour, c'est pour la salle du boss? Bonjour, c'est juste pour la... c'est juste pour la salle du boss. C'est quoi cette saloperie, là? Ok, c'est bon. Oh, mon Isaac, il est moche. Il est moche, mon gars. Ok. Salle de défi. Oui. Pourquoi pas, si je peux avoir un truc cool. Oh, des cerveaux. Des cerveaux, des trucs qui puent, des trucs qui crachent. Des trucs qui dash, des trucs qui sont moches. Oh, des trucs moches, encore une fois. Ok. Ça va. Ça va, te fais pas toucher, mec, t'as un cœur noir, ce serait bête de le perdre bêtement. Saloperie de bestiole de merde qui se sépare. Là, je suis dans une merde, mon gars, je comprends pas tout ce qui se passe, tout ce qui vient sur moi, mais tranquille. Ok. Ah, je me suis heal. Apparemment, je me suis heal, d'accord. Je me suis heal parce que tous les 13 ennemis, du coup, je me fais heal. Hiérophante, c'est très bien. Je le prends. Et je suis quasiment full vie. Eh ben, c'est une très bonne run, je suis très content. Très très content. Maintenant, je cherche juste le cœur de maman pour l'exploser et finir la run, en fait, s'il vous plaît. Juste finir la... finir la run. Il est où? Il est où? Mais il se fout de ma gueule. Non, il se fout de ma gueule. Ok. J'active ça. Ah. Damage. Invincible. Non, je préfère le chariot. J'adore le chariot. J'adore la carte du chariot, moi. Simple, rapide, efficace de fou. Clairement. Simple, rapide et efficace. Oh, les trous de cul! Ah bah voilà, c'est fini. On croise les doigts pour la pilule. Oh, tire ça. Oh là là. J'ai un gros vagin à cette partie, moi. Est-ce qu'il n'y a pas une salle du boss quelque part là? Ça m'arrangerait un petit peu. Oh oui, elle est là. Oh, let's go! Je vais au boss direct, hein. Je ne réfléchis pas. Avec la vie que j'ai en plus, normalement, je devrais pas avoir de soucis. Suivant le boss que je crois. Je me demande si c'est le cœur direct. Oh! Un doigt de pied de chance! Plus une lock. Doigt de pied de chance. Ah, c'était un. Ouais, ok, d'accord. Ah, ce n'est pas encore le cœur de maman. Nous sommes à Scolex. Oh, le bordel! Ah, ok, d'accord. C'est donc ça.
Je vais me coller au mur, mon gars. Se coller au mur, c'est le secret du bonheur. Ok. Ok. Beaucoup plus facile à esquiver quand tu te colles au mur. J'ai appris ça sur YouTube, encore une fois. C'est toujours YouTube qui t'aide très fort. Ça se passe bien. Ok, on passe directement à la suite. Je trace, hein. J'essaye de tracer. Normalement, là, on arrive au cœur de maman. Donc, l'important, c'est de trouver la salle du boss très très vite. Très. Oh, des trous de cul partout, encore une fois. Oh là là. Ok. Bon, voilà. C'est pas par là. C'est peut-être vers le haut, la salle du boss. Oh là là, il y en a des trucs. Je vais m'éloigner. Ah, merde. Je vais m'éloigner très très fort. Oh là là. Trop de monstres. Tue le monstre. Trop de monstres partout. Je n'aime pas. Je n'apprécie qu'à moitié. Ah, je me le suis pris. Quel imbécile, putain. Du coup, je perds mon cœur noir sur cette action. Je perds mon cœur noir dans cette salle. Bien joué, je nafle. Je les déteste encore plus. Non, pas plus en vrai. Yvonne, disons. Eux par contre ils sont vraiment immondes. En plus ils font peur. Enfin, je veux dire, si je devais faire une tier list des ennemis qui font peur dans Isaac, ils seraient bien eux. Bien eux. D'accord. Ok, j'ai ma petite clé. Mais je me suis fait toucher en entrant dans la salle. Oh, ça m'avait l'air d'être une salle de connard de toute façon, donc je suis content. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis jamais tombé contre ça. C'est un monstro, c'est un petit monstro en fait, c'est ça? Ça m'a l'air d'être un petit monstro. Ça m'avait l'air d'être un mini monstro en quelque sorte. Je veux juste la salle du boss. C'est trop demandé. Oh putain de mauvaise surprise dans ce jeu. Wow. Oh, un cœur noir. Je prends direct. Ok. Oh, les mauvaises surprises parfois, c'est terrible, hein. Citroën, bon, moi je veux juste la salle du boss, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi la salle du... Oh putain, je m'attendais pas à ce que ça vienne, j'ai perdu mon cœur noir là-dessus. Oh. Oh là là, oh j'ai perdu tellement de cœur. Oh. Voilà, par contre ça commence à devenir tendu. Là ça commence à devenir très très tendu. J'étais très très à l'aise, je suis plus à l'aise. Et le pire c'est que même quand j'étais à l'aise... J'avais pas l'air à l'aise. Donc là, ça va être pire. Ok, il faut que je retrouve des cœurs noirs et des cœurs bleus, parce que sinon, ça va pas le faire. Je vais être très, très stressé. Je veux juste trouver la salle du boss, putain. Je me doutais qu'il y avait pas qu'un seul ennemi ici. Putain. Il est où? Il est là. Donne-moi des cœurs bleus. Oh non, pitié, je veux juste des cœurs bleus. À la limite, des cœurs tout simples. Des trucs pour me heal, parce que là, ça devient tendu. Oh, la salle du boss. Là, let's go. Meurs pas ici, et tout va bien se passer. Ah putain, il faut que je finisse. Allez, on va enfoncer une bible dans le cul de notre mère. Histoire de bien finir la run, et c'est parti. Allez, hop, ça suffit. Allez. Alléluia. Ok, let's go. Oh. Let's go! Bon. Un devil deal. Merci pour le GG, trop mignon, merci. C'est quoi ça? Parce que moi je veux bien juste récupérer mon coffre et finir la run en fait. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait peur. J'ai pas envie de rentrer là-dedans moi. C'est la suite? Je vais y aller pour la science. Ah bah j'en doute pas que c'est très sympa, oui.
Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh bordel à queue. Oh bordel à queue de cul. Déjà lui quand il était tout seul c'était une purge. Oh là là, dans quoi je m'embarque là, putain de merde. Dans leur merde, dans leur grand merde. Dans leur grand merde. Ok. Une salle de défi, oui bien sûr, ouais. Une salle de défi, ouais. Pas de soucis, ouais. Ici, ouais. À demain. Pas de soucis, mon gars. On... Ah, c'est quoi ça? Une clé. Bon. Je tombe sur des ennemis que j'ai jamais vus. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, je m'en fous, j'ai plus besoin de la Bible. J'ai besoin de la Bible. Je me trompe de touche. Chaque fois, je me trompe de touche. Oh! Bombe troll, quoi. Ok. Ok. Mais je fais quoi? Je veux partir? C'est quoi ça? J'ai jamais croisé ces monstres de merde! Oh. Je connais pas les patterns, je connais rien. Oh non, mais qu'est-ce que je fais ici? Putain. Je refuse de partir, putain. Oh, un cœur bleu! Oh, un cœur bleu! Oh, oh là là! Oh là 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 là! Panique pas, mec, panique pas! Oh, c'est quoi ces merdes? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui... Attendez, mais comment je le tue, lui? Quoi? Mais comment je tue ça? Mais non, mais je vais mourir. Mais je vais mourir parce que je sais pas comment on le tue. Ah, ok, c'est bon. Oh, laissez-moi sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon. Ah! Laissez-moi sortir en fait, j'ai trop peur, il me reste un cœur! Qu'est-ce que je fais? Il y a un cœur quelque part, non? Oui. Nako waki nakita, ushakani wakana, makuzi katokuna. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Je suis jamais venu ici, bah ça fait trop peur. La musique elle fait trop peur. Tout fait trop peur. Yashutita no kata. Oh! Oh! Banodadi! Mais c'est quoi cette merde? Mais ça tire de partout! Oh merde! Merde! Ils apparaissent dans mon cul! Aïe aïe aïe! Il me reste un demi-cœur. Oh mon dieu! Azizou! Azizouza! Bon, c'est fini. C'est fini pour moi. Salut à tous. Salut la mif. Oh la vache! Mais c'est impossible! Oh cœur! Mais c'est impossible! Dis donc! Bon place basé, explore, mouez, morceau, sruikui, je m'en fous. Moukwa weka saktama, inta weka nikuna, moukwa doudou zidouda. Oh, 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 les sales bêtes. Oh, les sales bêtes. Putain, ça tire des trucs dans tous les sens. On est où? Pourquoi j'ai pas juste pris mon... Mais c'est quoi cet endroit? C'est horrible! Okasani Makoto. Oh! Not like this! J'aurais dû prendre mon stuff et partir, en fait. Pourquoi je suis venu là-dedans? Oh, je suis en sueur, mon gars. Oh, hey, la run, elle était trop bien. Salut YouTube, à bientôt. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dégustation de tacos 3 viandes XXL. Salut!